Si vous secouez une bouteille de Coca-Cola, elle explose. Mais si vous secouez une bouteille d'eau, elle reste calme. Avant de prendre la parole, alors que je suis stressé comme vous le serez tout de suite, j'ai bu de l'eau pour me déstresser et me détendre. 5 minutes chrono, un seul mot, improviser. Improvisation. L'improvisation est l'ennemi de la communication et de la prise de parole en public. Et improviser ne s'improvise pas. Ils ont parlé de formateurs des formateurs. Mon formateur s'appelle Quintilien, rhéteur pédagogue du 1er siècle. Pour ce qui est de la rhétorique, qu'on s'en réfère à Quintilien, celui qui apprend l'éloquence et n'y parvient pas, ne parviendra jamais. Lorsque vous êtes pris de court, je vais vous apprendre l'hexamètre. Lorsque vous voulez improviser, alors que l'improvisation n'est pas dans votre programme. Donc, je m'en vais vous donner un bonus. Automatiquement, le cours a commencé. L'improvisation. Cherchez ce qu'on appelle l'hexamètre. Qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi. Même lorsque vous voulez auditer une entreprise, cherchez le QQQOCCP. C'est parti. Choisissez un seul mot et je commence à faire un discours de 5 minutes chrono. Oui, laissez juste voir votre Padex qui prend la parole. Pourquoi? Pourquoi ai-je créé l'école d'art oratoire? Outre l'évidente motivation sociale, économique et financière, mes amis et moi, nous avons la passion de la mise en valeur des gens que vous êtes. Vous êtes nos gens, vous êtes à la bonne porte. Oui, la suite. Comment? Mais parce que tout simplement, nous avons une pédagogie qui s'appelle l'andragogie. Andras, agagos, la formation des adultes. La pédagogie, c'est pour les tout-petits. L'andragogie, c'est pour les adultes. Qu'est-ce que ça dit? Quel est le secret de notre institution? 80% de pratique, 20% de théorie. À l'école, on vous fait la leçon, on vous met à l'épreuve. Et à l'EAO, on vous met à l'épreuve dans quelques minutes et vous allez tirer vous-même la leçon. Qui d'autre? Le qui? Qui suis-je? Je me nomme Cher Omar Diallo. Je suis juriste, communicant, docteur en sciences politiques, formateur des formateurs en communication, en leadership, en prise de parole. Vous allez me prêter votre attention bienveillante. Parce que les mots que je suis en train de décrypter vont nous permettre d'avoir une écoute attentive afin que je puisse collecter des suffrages parce que nous sommes dans l'ambiance. Voici pour ce qui est du qui. Où? Mais madame, Ablavi, vous êtes à la bonne adresse, au bon moment, au bon endroit. L'école d'art oratoire et de leadership sur la VDN. Si vous choisissez de faire la bonne action au bon moment, et vous avez des choses incroyables. Mais faire la bonne action au mauvais moment, c'est contre-productif. Faire la mauvaise action, ben, au bon moment, c'est inutile. Faire la bonne action au bon moment, c'est ce que vous avez décidé de faire en suivant votre époux. Jamais vous n'allez le regretter parce que vous serez radicalement révélé à vous-même. Et si jamais vous ne l'êtes pas, nous allons vous faire revenir, situation exceptionnelle, pour une autre formation gratuite de 15 jours. Bien. Combien? Je crois que c'est 600 et poussière, vous avez la somme. Hein? Qui d'autre? Quoi? Ben ici, nous sommes opérateurs des formations de pointe, coaching, accompagnement personnalisé, training d'urgence et bien sûr le parcours managérial. Dans les matières que vous connaissez, qu'il serait superflu d'évoquer ici, nous sommes à votre service pour vous transformer radicalement. Après cette formation, vous pouvez venir dans d'autres niveaux de formation. Vous avez une chargée d'orientation qui vous facilitera la tâche. La prise de parole doit être concise et précise. Faire court et soigné s'appelle l'impératif de brièveté. Imperatorias
Brevitas. Je vous remercie.